Bonjour, merci de ce que nous créons tant pour nous venir étudier avec moi. Parole, bon Dieu. Jeudi, on apprend à étudier première tête de Dragon Rouge là, en Apocalypse chapitre 12. Nous t'apprenons qui représentait pays Égypte. Et Jean Satan t'a utilisé nation ça pour lui oppresser ou persécuter peuple bon Dieu. Cette tête de Dragon Rouge ça, d'après Apocalypse chapitre 12, et Apocalypse chapitre 17 que Diablan pral utiliser, nous t'apprendre cette nation sa yo représenté Égypte, la Syrie, Babylone, les Mèdes et les Perses, la Grèce, Rome et le royaume de la papauté. Toute cette nation sa yo a qui ont certaines époques gagné pour yo agir sous puissance satanée qui est déterminé pour lui combattre œuvre du salut de Christ. Égypte, c'est la première grande nation qui n'a tête l'islam. Nous joignons l'histoire nation ça, culte et trinité dieu babylonien yo qui Isis, Osiris et Ra. Égypte, c'est une nation jusqu'à maintenant qui est très idolâtre et qui gagne une histoire extraordinaire. De gens étaient affectés, peuple bon Dieu, pendant une période de 400 années. Ces histoires, ça, nous allons étudier jeudi, hein, côté n'a pas la tactique Satan le diable pour essayer de détruire peuple bon Dieu. Nous allons aussi comment Dieu lui-même répond dans une manière extraordinaire pour que lui protéger et délivrer peuple en Égypte. En nous prier le Seigneur. Ô Éternel notre Dieu, et je dis encore, nous voulons offrir au cœur nous, afin qu'on soit capable de remplir nous de la puissance d'en haut, de la puissance du Saint-Esprit qui va venir enseigner nos paroles bénies. Nous prions concernant le nom précieux de Jésus qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Égypte, mes frères et sœurs, nous pourrons l'étudier à Soya. C'est une nation, la Bible a mentionné en pile fois. En sorte que moi-même avec vous, n'avons assez d'informations qui pour que nous comprenions, je nation ça, sous influence satanique, qui a affecté l'Église de Christ dans l'Ancien Testament. Pour commencer, Égypte nous apprend la fois passée, c'est une nation qui sortit de descendants Mistraïm, deuxième petit Cam, qui rend Égypte un pays qui est très ancien. Il fait partie de l'ancienne civilisation de l'Afrique du Nord et qui prend naissance, nous te dit, vers les années 3150 pardon, avant Jésus-Christ. Et pendant une bonne période de temps, l'histoire du monde rapportée, il était devenu une grande puissance. Elle était dominée mondialement. Égypte, c'est une nation qui était dirigée par de nombreux rois et reines, tels que roi Pharaon, nous voyons écrit dans l'histoire biblique et dans l'histoire du monde. Adoration du soleil, nous était mentionné aussi dans l'étude nous, la fois passée, tellement populaire en Égypte qu'ils ont bâti une ville, ils ont bâti un nom, Héliopolis, qui signifie la ville du soleil. Et dans la ville, ça, il racontait, il te connaît adorer trois faux dieux, ça, qui, le dieu Képri, représentant le soleil renaissant, le dieu Ré, le soleil à son zénith, le dieu Atum, le soleil couchant. Maintenant, question nous pourrons répondre, Kounia, c'est comment Satan t'a utilisé Égypte, nation idolâtre, ça, pour essayer de détruire le bon Dieu et pour tout combattre plein de salut de Dieu. Pour répondre à question ça, témoignez-nous d'abord, c'est possible de nous capables de remarquer plusieurs fois une histoire biblique. Nous voyons côté Satan mal interprété. Prédiction, message, bon Dieu, ben petit, les sous naissance, mais si on lui promet, la voyez, sauver le monde là. Comme résultat, Satan brisé, écrasé, maltraité et essayé de tuer toute petite bon Dieu,
li wè ki ta vle ressemble ak sauveur ya. Jus pou li pa permèt ke evenman sa arrive. Par exemple, nan Genèse chapitre 15, verset 13 à 14, Dieu révélé Abraham d'avance sa ki pral arrive descendani longtemps avant même que Dieu te bali yon petit comme héritier. Dans le texte, Dieu dit à Abraham, descendani, gagné pour une esclave de l'autre nation pendant une période de 400 années. Puis, il dit Abraham, quand temps a expiré, il fait plan pour lui voyer un sauveur, un libérateur, délivrer peuple en Égypte et absorti avec un pile richesse. Moi, quoi, Satan t'étend des conversations, ça, Dieu t'a fait avec Abraham. C'est de là, de ça, l'étendait. Dieu t'a dit Abraham, lui fait tout plein pour lui pas permettre sauveur, ça t'est né. Est-ce que ces promesses, Dieu t'a fait avec Abraham, ou du moins, ces promesses, Dieu t'a fait avec Adam et Ève, qui t'est prêt à accomplir ça? Témoignez pour nous, texte dans le livre Genèse, côté Dieu t'a révélé à Abraham ce qui pourrait arriver des saints d'Anio. Dans Genèse chapitre 15, versets 13 à 14. Genèse chapitre 15, versets 13 à 14. Dieu dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Remarquez, Dieu n'a pas dit à Abraham non, pays descendant de pral esclave pour 400 années, ça. Il n'a pas dit non plus par qui moyen la pral délivrer peuple quand ça pral terminer. Cependant, Dieu dit lui, descendant de yo, quand il a quitté pays ça, il a pral esclave, il a quitté avec un pile richesse. Donc Satan t'a capté conversation ça et depuis là ça l'a veillé. Effectivement, livre Genèse révélé après Joseph. Petit Jacob était miraculeusement sauvé famille en Égypte de une grande famille qui était passée dans une époque. La parole de Dieu dit Israël, nouveau nom Dieu te ba Jacob, t'es venu habiter en Égypte avec toute petite li et petite petite li. Côté roi égyptien, t'es placé Joseph dans deuxième position dans le royaume. Nan. C'est là, dans le pays Égypte, famille Israël a commencé à multiplier en grand nombre. Jean peuple Israël a multiplié si rapidement, t'es alerté égyptien yo, et yo t'es commencé à plaindre. C'est comme ça dans Exode chapitre 1, verset 8 à 11, Bible dit. Exode chapitre 8, chapitre 1, verset 8 à 11. Il s'éleva sur Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montre-nous habile à son égard, empêchant qu'il ne s'accroisse et qu'il suive et qu'il survienne une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Notre texte, ça, nous voit un premier plan, Satan te mettait en action pour lui pas permettre sauveur. Il était un des dieux, dit Abraham, qui a venu délivrer le peuple Israël en Égypte, te prend naissance. Satan, nous capable de remarquer, te possédé roi ça,
qui pas connaît Joseph. Il était servi avec lui pour que le peuple égyptien persécuté le peuple Israël d'une manière déplorable et cruelle. But diable qui pas gagné à travers un passé roi ça et peuple égyptien c'est pour lui rendre peuple très faible et empêcher de continuer fait petit. Mais puisque c'est Dieu qui bat la vie et qui t'a veillé sur peuple lui, Satan t'a échoué dans la première tentative pour que libérateur peuple Israël n'a pas né. Bible dit dans Exode chapitre 1 verset 12, à mesure peuple égyptien a accablé Israël avec travaux forcés, c'est plus ils continuer à multiplier. Avec le temps, peuple égyptien a développé une haine contre le peuple Israël. Exode chapitre 1 verset 13 à 14 dit: alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes travaux en argile et en brique et par tous les ouvrages des champs, et c'était avec cruauté qu'ils leur imposaient toutes ces charges. Ça, c'est incroyable, mais vrai. D'après sa parole, mon Dieu, qui t'est écrit, le peuple Israël t'est traversé vraiment un temps difficile, un temps de détresse, ou encore un temps de persécution et de souffrance. C'est de sorte de temps, ça, yo, si nous pas gagnons la foi, si nous pas gagnons contact intime avec Dieu, ça capable porter nous complètement décourager et même perdu confiance nous dans Dieu qui est créateur, qui est Seigneur et sauveur nous. Cependant, malgré toute sa roi et peuple égyptien ont été fait, Dieu t'a continué à prendre soin du peuple. Dieu t'a protégé peuple Israël. Et peuple là était là la pluie sans y pas reconnaître. Il y a une guerre avec un plus gros ennemi, yeux pas capable, qui désirait détruire et rassure. Peuple paraît connaître non plus, guerre un plus gros force qui l'a cap protégé et cap guidé dans le temps de détresse. Témoin dis-nous, c'est sorte de guerre spirituelle, ça y est, apôtre Paul révélait tout petit bon Dieu chaque jour à confronter avec désir malin dans les lieux célestes. Paul écrit dans Éphésiens chapitre 6, versets 12 à 18. Éphésiens chapitre 6, versets 12 à 18. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Grâce soit rendue à Dieu qui m'était valable pour nous toutes sortes de âmes spirituelles qui sont capables d'aider nous combattre esprits malins qui rôdent autour de nous. Paul écrit sur l'inspiration du Saint-Esprit dans Éphésiens chapitre 6, versets 13 à 18. C'est pourquoi prenez toutes les âmes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et avouerez la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à tout cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Maintenant, lorsque 400 années, Dieu t'a prédit, peuple Israël, t'es pour passer dans l'esclavage en Égypte, là, t'es presque terminé.
Satan connaît ce temps pour libérateur ou sauveur, peuple t'attendant, tenez. Comme on sorti de nous, il pas connaît, c'était Moïse qui t'a venu délivrer peuple. Il te pensait, c'est Jésus qui t'a venu combattre les sous terre. Diable, par conséquent, ouvrions l'autre chemin de guerre par roi qui t'a gouverné Égypte dans l'époque ça. Dans Exode chapitre 1er, versets 15 et 16. Notez sa parole, bon Dieu dit, il portait roi égyptien en fait. Exode chapitre 1er, versets 15 à 16 dit: Le roi d'Égypte parla aussi aux sages femmes des Hébreux. Il leur dit: Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Roi égyptien, ça a passé pour tuer tout petit garçon qui fait révéler détermination et position adversaire en point pour ne pas permettre libérateur peuple Israël tenir par n'importe quel moyen. Moi, espérer nous noter que l'événement ça a été répété encore dans le temps le Messie t'a fait à Bethléem. Tuer tout petit garçon qui naît, c'est marque ou signe qui vraiment roi égyptien ça t'est passé t'est possédé pardon par une sorte de force et un esprit malin qui t'a agi sous puissance satanique. Maintenant, notez comment bon Dieu lui-même répond avec tactique de guerre adversaire pour détruire Moïse. D'après le livre Exode, Dieu t'est agi d'une façon miraculeuse par maman Moïse, qui t'est complètement mettait toute foi, toute confiance dans Dieu. Quand maman Moïse, par la foi, t'est bâti un corbeil, il t'est déposé petit garçon, ça, Dieu t'est bali dans la rivière de Nil. Pour que rivière là mène n'importe qui côté Dieu désiré pour sauver vie petite li. Dieu, Bible dit, te prend petit garçon ça, hein? Il te porte directement dans la famille roi ça pour que il était capable lever Moïse, pour il te prend soin de lui, pour lui bailler Moïse, non. Pour l'ibali éducation. Ça, c'est vraiment une merveille, une action extraordinaire de Dieu qui aveuglait yeux adversaires hein, pour ne pas détecter libérateur, peuple Israël. Témoin, dis-nous, c'est seulement Dieu qui est capable de faire un bagage comme ça. Côté lui utiliser ennemi, peuple Israël, pour que c'est lui qui éduquait. Homme li choisi qui pourrait libérer peuple li en Égypte. Miracle ça a vraiment porté nous reconnaître Dieu, c'est un Dieu qui est tout puissant. Li fait n'importe que ça li désirer. Parole bon Dieu dit rien n'est possible à notre Dieu. Et Dieu lui-même dans la parole il dit dans Ésaïe chapitre 46 versets 3 à 5 et verset 9. Écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous, reste de la maison d'Israël, vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance, jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai, je l'ai fait, et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. À qui me comparez-vous? Pour le faire mon égal. À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables? Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Est-ce que nous comprenons pour quelle raison nous devons faire, bon Dieu, totalement confiance dans la lutte, nous, dans la vie ça? Dieu témoigne de nous pas jamais perdu
et une bataille. Satan déclaré contre lui et contre le peuple. Si nous faisons Jésus confiance, l'a sauvé nous, l'a délivré nous, dans toute adversité n'a traversé, qu'on y est là, et adversité nous pourra confronter dans l'avenir. La parole de Dieu dit dans Psaume 34, verset 15 à 18 et verset 22, les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. En Égypte, diable te prend position pour le Québec, peuple bon Dieu, dans l'esclavage. Dieu lui-même, quand Moïse était prêt, voyait message de délivrance par le peuple. Côté Dieu, dit Moïse. Dans Exode chapitre 6, verset 1er, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante te forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Verset 6, c'est pourquoi, dites aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous ai affranchi des travaux dont vous chargent les Égyptiens, je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Délivrance, peuple Israël, en Égypte, c'est une histoire qui est écrite pour affermir propre foi nous, propre délivrance nous, qui a venu dans tant de détresse, nous pourrons le traverser très bientôt sous terre. La parole de Dieu dit toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Le sens spirituel nous apprend dans l'histoire, ça, c'est que pour que Israël t'ait délivré en bas de Pharaon, le peuple était obligé, premièrement, mettez toute confiance en Dieu. Et par libérateur lui, Moïse, il était voyé Bayo. Moïse, c'est type de Jésus. C'est-à-dire, Jean-Moïse était né, Jean-Satan était cherché pour détruire lui, Jean-Dieu te délivré Moïse, Jean-Li t'a fait peuple traverser la mer rouge par Moïse, et tout miracle il était fait pour délivrer peuple Israël par sa puissance divine en Égypte, il a tout reflété. Ça, Jésus lui-même accompli pour lui sauver nous dans le monde, dans l'esclavage du péché. Majorité histoire, peuple Israël en Égypte et tentation ont été subies dans le désert de Sinaï. Jésus t'a revivre tout événement saillot dans la ville afin que côté peuple t'a échoué, Jésus t'est capable de remporter victoire pour eux et victoire pour nous tous. Sous point important ça, moi t'as remis nous noter. Quand Jésus t'est né, Satan t'a essayé de tuer lui par roi Hérode. Roi Hérode t'est passé le roi pour massacrer tout le monde qui naît, juste pour lui détruire vie Messie. Même Jean il t'a essayé de détruire vie Moïse. Ensuite, même Jean avec le peuple Israël. Jésus t'est passé quelque temps en Égypte, qui t'est pour lui, dans le temps, ça a eu lieu de refuge. Quand Jésus était sorti en Égypte, il a raconté, il était baptisé d'eau, il était baptisé du Saint-Esprit, encore une fois, même Jean avec le peuple Israël. Quand il a quitté Égypte, il était baptisé par une colonne de feu, symbole du Saint-Esprit. Et il était baptisé par immersion dans la mer Rouge. Jésus, après baptême, était transporté dans un désert. Pour lui être tenté par Satan, le diable, après 40 jours. C'est comme ça tout, peuple Israël était passé 40 années dans le désert de Sinaï, un jour pour chaque année.
Elle était séduite, toutes sortes de, elle était subie toutes sortes de tentations, non désirant. Après ça, notez encore, la parole de Dieu est révélée, Moïse mourit et il est ressuscité. Et c'est comme ça tout, Jésus mourit et il est ressuscité. Mes frères et sœurs, comme nous sommes capables de noter, vie Moïse et toute tentation au peuple d'Israël, t'es passé en Égypte et dans le désert de Sinaï, répété dans vie Jésus, en sorte que Jésus remportait victoire sur eux toutes. Deuxième leçon très importante, nous apprenons dans l'histoire du peuple d'Israël, c'est que pour que ils aient été délivrés en Égypte, pour qu'ils aient été libérés, il faut que sang t'ait versé. Sang qui t'est versé la veille nuit, ils t'ont pas délivré, hein? C'est symbole sang de la promesse du Messie. Symbole sang de Jésus-Christ qui était pour verser sous bois calvaire pour délivrer le monde là en bas mais diable là, et dans esclavage du péché. Il était nécessaire, peuple te mettait foyer dans sang ça. Chaque famille était douée, mettait sang agneau ça dans les tocaillots qui sang de la délivrance, sang de protection, sang qui capable de sauver vie en bas mais adversaire. Qui est déterminé pour détruire vieux. On apprend ici, parole de Dieu, révélez-nous que sans Jésus gagnait en pile puissance. Sous point, ça a noté. Bible dit sans Jésus gagne puissance pour lui payer prix fardeau péché nous et restaurer réputation nous dans le monde là. Mais ça écrit dans 1 Pierre chapitre 1er, versets 18 et 19. Deux versets, ça y dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux du Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Deuxièmement, c'est le Christ qui a puissance pour les réconcilier toutes créatures qui sont dans les cieux et nous-mêmes qui sommes sur terre avec Papa nous qui sommes au ciel. Parce que quand nous avons péché, nous sommes séparés de Dieu et nous sommes devenus ennemis de Dieu. Maintenant, c'est ce de Christ qui unit nous avec Dieu. Nous trouvons bonne nouvelle réconciliation ça par le sang du Christ dans Colossiens chapitre 1er verset 20 qui dit il a voulu par lui réconcilier tout avec lui tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux en faisant la paix par lui par le sang de sa croix. Troisièmement, Hébreux 9, verset 14, dit-nous tout que Saint Jésus-Christ a gagné puissance pour les purifier conscience nous de tout ça nous fait qui mal, pour que nous soyons capables de servir Dieu avec un esprit qui pur, bien disposé, sans que nous ne gagnions aucun doute de Dieu. Hébreux 9, verset 14. Combien plus le sang de Christ qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même à Dieu, sans nulle tâche purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes pour servir le Dieu vivant. Quatrièmement, Hébreux 10, verset 19, dit-nous encore, la puissance du sang du Christ ouvre porte sanctuaire céleste hein, pour nous, en sorte que même quand on vit sous terre, nous gagnons accès pour nous entrer dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, c'est-à-dire nous gagnons accès au trône de la grâce de Dieu dans le ciel-là. Hébreux 10, verset 19 à 22 dit, ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle, et vivante qu'il a inaugurée pour nous à travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé
d'une eau pure. Cinquièmement, sans Jésus, gain puissance pour lui bannir victoire dans quelque soit tribulation n'a traversé. C'est sans le Christ qui te bat le peuple Israël victoire sous le peuple égyptien. Et c'est sans lui qu'a bannir toute victoire pendant la grande tribulation qui est au-devant de nous. Mais ça, ça écrit dans Apocalypse chapitre 12, verset 11, qui dit « Ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Sixièmement, Apocalypse chapitre 1, verset 5, révélé « Sang de Christ a gagné puissance pour lui délivrer nous de n'importe quel péché qui ne vit nous. » Cap détruit nous. Texte a dit, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Septièmement, même livre ça, livre Apocalypse expliquait la puissance du sang du Christ. Saint de Christ lui dit cap laver robe péché nous, li capable blanchir li. Donc si nous voulons péché nous laver, vine baigner dans Saint Jésus. Apocalypse chapitre 7 verset 14 dit ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, ils ont lavé leur robe, ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Huitièmement, Saint de Christ gagne puissance pour les sanctifier nous chaque jour jusqu'à ce que nous transformer à l'image de Christ. Nous voyons le message ça dans Hébreux 13, verset 12. Côté parole, mon Dieu dit, c'est pour cela que Jésus aussi a fait de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Donc, mes frères et sœurs, tout ça, c'est bonne nouvelle. Parole bon Dieu qui était pour nous, du sang de Christ. Sang de Christ qui était délivré, peuple Israël en Égypte. Saint Jésus qui était versé sous bois calvaire, gain puissance pour délivrer nous d'un péché. Gain puissance pour délivrer nous en bas de Satan. Puissance pour nous la vie et la vie en abondance. Saint Jésus. C'est sang de la victoire. Ça lui suffit pour sauver toute la race humaine. Et ça qui est très important encore, nous vous connaissons, c'est que Saint Jésus qui t'est versé sous bois calvaire, c'est un cadeau de Dieu. Qui tout est pauvre, riche, noir ou blanc ou couleur rouge, Dieu mettait Saint Jésus valable pour tout le monde. Saint de Christ, c'est une source intarissable. C'est sans ça, Satan t'a peur. C'est ça, il n'y a pas de vrai rivé qui fait l'été fini déchaîné pour Moïse pas né. Jour soir, peuple Israël, t'es metté sans agneau, ça sous les tocaillots, Satan t'a tremblé. Parce que il connaît délivrance, peuple Israël, t'es arrivé. Peuple Israël t'a quitté Égypte en bas main, en bas zèle, bon Dieu. Je t'ai traversé la mer Rouge à pied, dans la terre sèche. Et quand je t'ai arrivé par l'autre côté, de l'autre côté, chant de délivrance, t'es chanté pour que tu comprennes. Je t'ai gagné vraiment, un guerrier, un gros soldat qui t'a bataille pour yo. Et soldat, ça, c'est l'éternel des armées. Pour terminer, notez quelques paroles dans le chant de victoire. Moïse t'est composé et peuple t'est chanté. Et nous-mêmes tous, gagnés pour chanter avec le cantique de l'agneau. Après Jésus, délivrez-nous notre dernière guerre qui parle faite sur terre. Après gros victoire, Dieu t'est baillé sous peuple égyptien. La parole de Dieu dit dans Exode 15. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent, je chanterai à l'Éternel car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval de son cavalier.
L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée, ses combattants d'élite, ont été engloutis dans la mer Rouge. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires. Tu déchaînes ta colère. Elle les consume comme du chaume. Qui est comme toi parmi les dieux éternels? Qui est comme toi magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? Tu as étendu ta droite, la terre les a engloutis. Par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple. Par ta puissance, tu le diriges vers la demeure de ta sainteté. Oui, ça, c'est chant de victoire, peuple Israël, sous première tête dragon rougelant. Yon chant d'allégresse, de bonheur, yon chant qui glorifie Dieu d'Israël comme Dieu des dieux et Seigneur des seigneurs. Mes frères et sœurs, pas gagné aucun doute. Égypte, c'est une sept nations. Satan t'est utilisé avec détermination pour lui déraciner peuple bon Dieu sous terre. Et c'est ça qui te cause, Dieu te descend pour les venir défendre peuple. Dans la guerre, ça, c'est Moïse qui était ambassadeur de Dieu et roi Pharaon, ambassadeur de Satan, le diable. Deux hommes animés de deux esprits différents qui n'en bataille. Yon gagne l'épée de l'esprit, la parole de Dieu, et l'autre gagne l'épée de la puissance, de la force du mal. Par la parole de Dieu, Moïse t'a remporté victoire sur la puissance du mal. Victoire, peuple bon Dieu, c'était une victoire qui est douce, une victoire totale, une victoire complète. Ça a dû être fait pour le peuple Israël, il est capable d'accomplir même de ce ça à tout pour le sauver nous. Victoire nous, sur la puissance du mal, c'est une victoire qui déjà assuré. Ça seulement nous besoin faire, c'est pour nous mettre toute foi, nous, toute confiance, nous, toute vie, nous, dans mes Jésus. Disons que moi pour nous, jeudi, c'est pour nous que nous rencontrer ensemble devant le trône de Dieu dans les cieux pour que nous capables chanter ensemble. Chant de délivrance par nous, le cantique de Moïse et le cantique de l'agneau. Oh, qui grand jour, jour glorieux, ça va y. Que bon Dieu bénisse nous, mes frères et sœurs, et restez avec la paix et la grâce de Dieu. Donc, encore une fois, moi espérer, rencontrez-nous très bientôt pour une autre émission, vue prophétique de la Bible.